true king will show them. We do not serve. We rule. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo de commentaire du trailer sur Total War Warhammer 2 avec la sortie de la nouvelle faction qui devrait arriver courant janvier 2018, les Rois des Tombes. Donc parlons un petit peu de qui sont-ils donc. A la base les Rois des Tombes, avant qu'ils deviennent des morts-vivants, c'était un peuple humain donc qui correspond à peu près à l'ancienne Égypte antique, donc avec les dynasties, des différentes dynasties, pardon, donc c'est inspiré de ça. Et un jour, ça a mal tourné. Pourquoi? Parce que le pays qui était autrefois prospère et luxuriant, avec des belles contrées, est tombé dans le chaos à cause d'une personne, donc c'est Nagash qui a lancé un sort pour transformer tout ce qui était vivant, donc animal, humain, etc., ou les plantes, en tout ce qui est mort et dangereux. Donc, l'empire de Nekara s'est effondré après ce sort, donc je crois qu'il a été lancé depuis la pyramide noire de Nagash, que vous voyez dans le trailer de Warhammer 2, enfin, dans le jeu Warhammer 2, pardon. Donc ce sort a tout détruit, tout dévasté, comme je vous ai dit, et ça a créé les Rois des Tombes, donc voilà. Nekara, donc c'est le nom de l'empire, donc il a plusieurs grandes cités, je peux vous parler de la cité de Khemri, donc, qui est la capitale dans mes souvenirs. Zandri, je crois que c'est proche de la côte donc nord qui est au sud du vieux monde. Et il y en a une troisième, donc j'ai oublié le nom. Enfin, c'est pas grave, au pire, elle me reviendra. Donc voilà, et on va passer au trailer. Donc, c'est parti. Donc là, vous voyez des elfes noirs qui rentrent dans une espèce de monument d'un temple qui a l'air très égyptien, n'est-ce pas, comme je vous le disais. Les fans des films La Momie, vous serez ravis. Ici, tous les fans d'égyptologie et d'Égypte antique, la même chose. Et là, notre ami elfe noir regarde une étrange statue avec un joyau qui est à la ceinture. Donc, que va-t-il faire? Pendant que le chef de cette expédition, ça a l'air d'être un assassin elfe noir, donc se dirige vers le sort, l'espèce d'hôtel, donc avec des dorures. Et il va tenter de voir son contenu. Mais je crois qu'il sait pas ce qu'il est en train de faire. Je sais pas s'il en a conscience. Il est vide, alors. Mais, oula. J'aimerais pas. Oula là. Les statues en fait sont des gardiens. Oh là là. Donc à mon avis là les statues vous voyez sont des Ushabti. Et donc ce sont des statues, donc ce sera de l'infanterie monstrueuse, hein, ça c'est certain, ça a le gabarit d'un Croxigor. Le maître assassin s'en sort. Heureuse pour le moment. Donc là on découvre le temple, là, complètement de la cité enfouie, pardon. Et là on a le quartier général d'un. Enfin un campement d'elfes noirs. Donc là, l'autre sait pas ce qu'il attend derrière et à mon avis il va bien déguster. Je vous fais un bon plan, voilà. C'est un scorpion des sables, donc ça va être un sacré monstre, hein. Attaque empoisonnée, ça c'est obligatoire. Donc il va être très résistant à mon avis, ça va bien déblayer les lignes, comme unité, plutôt pas mal. Ah là on va voir, je pense, le seigneur légendaire, voilà, sur son char. Je vous présente Cetra the Imperishable, ou en français Cetra l'Immortel. Donc j'ai trouvé un PDF sur lui, je vais vous le donner. Alors voilà, je vous mets en plein écran. Alors Cetra, roi des tombes. Donc voilà, ça c'est l'héros. Tac tac tac. Donc je vais chercher au plus vite.
Donc ça va être une bonne faction. Moi j'en suis déjà plein d'enthousiasme, rien qu'à la voir. Donc je ne monte pas trop, mais bon. Alors ça c'est rien à voir. C'est Tran impérissable, donc le voilà. On va essayer de le retrouver. Alors. Non. Kalida, non. Voici cet Tran impérissable, donc seigneur de Nekara. Donc il a une hallebarde, je crois, au corps à corps. Et c'est aussi une unité de. Alors attends. Apparemment, ce sera un prêtre liche, donc ça va utiliser des sorts de domaine de Nekara. Donc ça va être un nouveau domaine de magie qui va apparaître avec cette faction. Ça n'a rien à voir, attention, avec les domaines des contes vampires, je tiens à préciser. Donc voilà, donc ce sera lui le premier seigneur. Il a un char, une hallebarde. À mon avis, quand il va aller au corps à corps, il va découper celui-là. Donc les chars sont anti-infanterie, c'est certain. Donc voilà. Il a quoi comme j'imagine, le pchène de Nekar, donc c'est une coiffe, donc c'est certainement sa couronne. Ça va lui donner peut-être des bonus de commandement. Son char des dieux. Il a l'air assez magique, il va faire très mal aussi. Sa lame sacrée de Ptah, donc c'est le dieu soleil qui l'a béni. C'est une lame qui peut chauffer à blanc, qui est brûlante comme le soleil, qui enflamme l'air lui-même et flamboie avec un tel éclat que les ennemis de cette classe sont éblouis. Donc il pourra avoir une règle d'attaque enflammée. Ce qui promet de faire très mal aux ennemis qui ont régénération, parce que le feu est toujours efficace contre eux. Alors évidemment on n'a vu qu'un seigneur, je ne vois pas pour le moment le deuxième qui ça peut être, donc j'ai pas vu dans le trailer, donc on va faire une petite théorie là-dessus et après on va poursuivre. Donc il y en a deux que je vois bien, donc ça serait soit elle, donc la reine Kalida, donc qui est l'élue de la déesse Aspic, donc elle a un trône avec le serpent, donc elle aime bien le poison, alors tout ce qui attaque empoisonné. Elle déteste les vampires. Donc on a peut-être un truc comme ça avec un malus contre les vampires, qui sait, ça pourrait être drôle. Le Hiérophante Katep, je ne crois pas personnellement qu'il y sera. Alors. Ah oui, pardon. J'ai oublié de vous préciser. Pour la déesse. Enfin, pour Kalida, pardon, elle a la bénédiction du serpent. Elle a le sceptre venin comme objet magique. Donc, ça va être une magicienne. Donc, je crois qu'elle aura un. Alors, attendez. Est-ce qu'elle a. Elle n'a pas de domaine de magie, apparemment. J'aurais cru que ça aurait été un objet magique. Ou alors ce sera juste peut-être son bateau qui va balancer des projectiles magiques avec le sceptre venin tout simplement. Et sinon le deuxième, je vois bien. Alors j'en vois deux autres. Arcane le Noir, le roi Lich, donc celui qui a le sceptre de Nagash et un des fidèles lieutenants de Nagash. Même si autrefois c'était un Khemri. Ou sinon lui, mais je le verrais plus en personnage SP un peu comme un chevalier de Sinnoh, pourquoi pas, le prince Apophis appelé le seigneur Scarabée Maudit. Donc en gros, pour vous faire simple, ce gars a tué son frère, et comme le fratricide était un crime de très grave à Nekara, quand ils étaient encore vivants, ben voilà, il s'est fait bouffer par les scarabées, et il est devenu comme ça. Et en gros, il passe son temps à traquer une âme qui est aussi forte que la sienne, et qui doit en fait tuer le champion ennemi donc sur le terrain. Donc c'était comme ça en figurine, donc en gros c'est un tueur de héros ou un bel assassin quoi. Donc voilà. Concernant la magie de Nekara, donc on va avoir des bonus d'incantation, donc des châtiments, des tempêtes, des buffs, des debuffs, peut-être des nouveaux objets qui vont arriver, qui sait, j'en sais rien pour le moment. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc on va retourner au trailer après cette petite digression. Et à mon avis, il va envoyer du steak. Mais non, si se mettre fou. Les chars, évidemment, comme c'est l'Égypte antique, bah ça va faire les joues. Nous avons vu des charognards. Donc là, c'est les oiseaux que vous voyez voler. Alors attendez, je vais vous retourner un petit peu en arrière parce que j'ai vu des unités intéressantes. Il y aura peut-être aussi un bonus d'entretien avec les ou des chars, qui sait, ça pourrait être pas mal. Alors là on a différentes unités, donc on a en arrière-plan un Nécrosphinx, je crois, j'ai vu des Ushapti, j'en ai vu un qui. Ah, ceux avec hallebarde là que vous voyez en premier plan, ce sont des rôdeurs sépulcraux, ils ont une capacité assez intéressante, donc ils peuvent se mouvoir dans le sol, déjà de une, comme le scorpion que vous avez vu tout à l'heure. Et aussi je crois qu'ils peuvent ils peuvent transformer leurs adversaires en sable d'un simple regard, donc c'est un petit peu comme une méduse quoi dans la mythologie grecque. Et je sais pas si je vois deux unités, non, pour le moment. Il y a deux unités, hein, donc ça c'est le Nécrosphinx qui est en action, comme je disais. Ah, bah non, ça c'est Nécrosphinx et l'autre, j'ai oublié sa variante. Et là, ça va piquer.
Alors, ce truc désintégrateur, ce n'est pas un robot Terminator ou une connerie dans le genre, non. C'est un géant d'os. Et il est en train de griller les elfes noirs, pardon, parce que je veux dire les hommes elfes. C'est très puissant, corps à corps. Et voilà. Donc, on a vu pas quelques unités, donc je vais essayer de vous en montrer d'autres. Je vais retourner dans le PDF. Donc, évidemment, ce sera ils ont de l'infanterie aussi, hein, même si on la voit pas. Ils auront des héros. Alors attendez, au niveau des petits héros, genre standard, on aura des généraux, rois des tombes, ça c'est obligatoire. Des prêtres liches, pourquoi pas. Des héros des tombes, ce sont en plus des héros, donc spécialisés corps à corps, je pense. Les nécrotex, ce sont des mages qui s'occupent de l'entretien des troupes, je crois, surtout de tout ce qui est grosses statues et tout le bazar, donc sphinx, hiérosphinx, etc. Donc ce sont des guerriers squelettes de base, donc, mais à l'égyptienne. Donc ce sera à peu près l'équivalent des contes vampires au niveau squelette, mais je pense qu'il y aura juste un changement de skin. Première petite variante des archers squelettes, que nous n'avions pas avec les morts vivants, donc les contes vampires. Et je pense qu'ils auront des flèches empoisonnées pour tous. Donc ça promet d'être pas mal en tout cas. Ils ont de la cavalerie squelette, bien sûr. Je crois même qu'ils ont des archers montés, dans mes souvenirs. Ouais. Éclaireur squelette, ça peut être cool. Donc on verra enfin des archers montés, hein, ça changera un peu. Des arquebusiers à cheval et tout le bazar. Même si les. Ouais, quoi que les elfes, ils en ont, je crois, avec les patrouilleurs illyriens et tout le bazar. Bon, les chars, hein, c'est ce que vous avez vu. Hein. Et là, on va avoir encore une autre unité un cran au-dessus. Donc, l'équivalent du garde des cryptes en empire, le gardien des tombes. Donc, une unité anti-infanterie. Donc, certainement, épée bouclier de base et arme lourde en autre variante. Est-ce qu'ils vont la mettre, l'archer damné? C'est plutôt. Alors, c'est. Comment ils la considèrent déjà, l'archer damné? C'est un. Peut-être un, pas un équipement de siège, mais un, genre comme une machine mortise, un soutien magique, ça pourrait être cool. Ils ont des catapultes qui balancent des crânes et qui crient en direction de leurs adversaires. Ça promet d'être une main. Donc les charognards que vous avez eus, ce sont les oiseaux, très pratique. Pourquoi pas des nuées d'étons, mais comment ils vont modéliser ça, j'en sais rien. Donc en gros, c'est des nuées d'insectes, donc scorpions, araignées, scarabées, tout ce que vous voulez, des trucs bien sympathiques. Les, tous ceux qui sont, tous ceux qui ont peur des araignées, bah, je vous le déconseille. Hein. On a les chevaliers de nécropole, donc on n'a pas vu. Ce sont des chevaliers avec sur serpent, donc c'est un nécro-serpent assez immense. Attaque empoisonnée aussi, certainement pour le serpent. Donc voilà les fameux rôdeurs sépulcraux, comme je vous parlais. Les fameuses statues que vous avez vues au début du trailer, les ushabtis. Donc c'est des statues avec des divinités, tête de crocodile, aigle, etc. Des unités très sympathiques. Le fameux scorpion que vous avez vu en train de découper le pauvre maître assassin au elfe noir. Le sphinx de guerre, avec un équipement, avec un équipage dans son dos, qui pourrait toujours être cool. Et le nécro-sphinx, qui est la variante que vous avez vue tout à l'heure avec les deux grosses lames, donc qui est en train de découper dans le tas et de décapiter. Ensuite, il y a d'autres unités, apparemment, il y a le colosse de nécrolite, c'est peut-être celui-là. Je sais pas s'il peut tirer ou quoi. Non, je l'ai pas vu. Ça n'a pas l'air d'être ça. Et il y a aussi les hiérotitans. Donc là, on n'a pas d'image, malheureusement. Eh, attendez, c'était pas peut-être un géant d'os tout à l'heure qu'on a vu. C'était peut-être un hiérotitan. Parce que déjà, il avait un sceptre. Et il était en train d'exploser sa adversaire avec ses yeux. Donc c'est peut-être un hiérotitan qu'on a vu tout à l'heure. Je ne suis pas sûr. Donc si jamais vous avez une meilleure connaissance que moi sur le domaine Khemri, bah n'hésitez pas. Donc je suis preneur. Donc j'avais un doute. Mais je penserais plus au hiérotitan parce que le sort regard embrasé de Shem semble logique. Et sachant que c'est un sort du domaine lumineux. Eh bien. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des factions. Donc cet râle impérissable, c'était certain qui était. Mais qui sera le second seigneur? Serait-ce Arcane ou Kalida, ma préférence penchant pour Kalida pour avoir un seigneur un peu féminin pour changer un petit peu parce que c'est vrai que dans le 2 pour moi on n'a que des seigneurs sexe masculin. Ça serait cool d'avoir une femme un petit peu pour changer un petit peu le gameplay et respecter un petit peu la parité. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Donc si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire, les amis. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'amis. Au revoir. Et au passage, je ferai un let's play avec. Donc, soit avec Cetra. Et je ne commençais pas encore avec le nouveau Seigneur ce que ce sera. Donc, pourquoi
Pour le moment, ça sera Cetra. Si l'autre seigneur, c'est Kalida, je pourrais peut-être me pencher vers elle. Allez, salut!